je crois qu'il y a un philosophe caché d'un style, dans le sens où beaucoup de gens qui écrivent d'un style ont été marqués à divers degrés, c'est Stirner. Et Stirner, il est toujours là. Je crois que les gens qui font style, ils ont tous lu à un moment Stirner, ils ont été interpellés par lui, ils ont soit adhéré, soit rejeté, soit travaillé sur cette pensée, mais Stirner est toujours là. Et ça, c'est vrai qu'on peut dire que style, c'est une revue anarchiste, en ce sens-là. Évidemment, pas dans le sens politique, groupuscule, etc. Lorsque j'ai fait style avec des gens que je connaissais et que j'aimais, et des gens que j'ai rencontrés dans ma vie quotidienne. Bon, par exemple, les couvertures de style qui sont faites par Gilbert Delanoux. Ben, Gilbert, c'est un ami que j'ai découvert au travail. Il faisait un atelier d'art plastique dans un centre de loisirs. Et je lui ai proposé de faire les couvertures. Ce n'était pas le travail de Gilbert, puisque Gilbert Delanoux est surtout quelqu'un qui fait de la photographie, mais il a fait cela parce que par amitié. Maintenant, style est imprimé dans une petite imprimerie de province dans laquelle travaille aussi un ami avec qui nous avons passé, je sais pas, toute une grande partie de notre adolescence et notre jeunesse ensemble. Je crois que c'est l'idée très simple que des créateurs, il y en a aussi partout, qu'il suffit de voir, qu'il suffit de regarder. Ben, là, actuellement, je suis sur Provins, alors je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose sur Provins? Or, il se trouve que sur Provins, il y avait une radio qui était en train de se monter, Radio Médiévale. Ben, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite émission sur Provins? Non pas toujours pareil, dans l'espoir de se faire connaître, dans l'espoir de pousser les ventes de style, dans l'espoir d'acquérir une notoriété, entre guillemets, mais surtout dans l'espoir de rencontrer des gens, dans l'espoir d'arriver à regrouper des gens très différents. Et c'est comme cela que je vois cette émission radio. Alors dans l'émission radio, évidemment, je fais connaître les gens qui font la revue style, mais j'invite aussi d'autres personnes. Bon, par exemple, il y a la revue Blocos qui est venue, qui a parlé longuement, et cette émission, elle est ouverte. Et petit à petit, il y a des gens qui commencent à venir, qui commencent à parler. Il y a des gens aussi de Provins qui sont là. Par exemple, un jeune poète provinois qui a 20 ans, qui a publié à la Pensée universelle. Bon, ben, il est passé à style, et maintenant, je crois qu'il commence à s'intéresser à cette émission. Et ça lui ouvre lui aussi des portes. Et je crois que partout, si j'étais à Troyes ou si j'étais en Dordogne, je ferais ce que je pourrais. Enfin, c'est une espèce d'agitation culturelle, peut-être. Mais je le vois comme ça. Et l'idée de construire à partir de rien, c'est une idée qui m'est très chère. Enfin, quand je dis rien, disons des gens qui ne sont pas connus, des gens qui restent dans un anonymat. Alors que je pense qu'il y a de très grands créateurs un peu partout. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas accès aux médias qu'ils sont nuls, qu'il ne faut pas en parler. Je pense par exemple à Manuel Martinez qui fait en fait les maquettes de style. Pour moi, c'est un très très grand peintre. Bon, Manuel Martinez, il est dans une petite ferme en Ariège. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va voir ses peintures. C'est un tort. Et là, justement, dans style, il a une chance de travailler, de faire quelque chose. Et ça lui a permis de connaître des tas de gens, etc. Et nous, c'est pareil. Je crois qu'il se forme des réseaux petit à petit et qu'il faut un peu comme des places fortes de temps en temps. Mais l'émission style, ça n'est une, la revue style, ça n'est une autre. Et au sein, c'est aussi la génération rock. Et ça, d'un style, il y a toute une partie des gens qui écrivent là-dedans qui ont traversé ce rock des années 70 et même 60 pour certains. Il y a des gens pour qui Jim Morrison, c'est quelqu'un d'extrêmement important, aussi grand poète que Rimbaud, par exemple. Et au sang, c'est aussi une histoire d'amitié entre Dalgange et
au sein, quoi. C'était la revue C. Et la revue C, ça aussi était une très belle revue qui est morte de sa belle mort. Et c'est un peu l'ancêtre de Style, peut-être, la revue C. Lorsque j'ai fait Style, je n'ai pas du tout voulu refaire C. Mais c'est vrai que C, Dalgange, y a participé de très près. Aussang a tenu la revue de toutes ses forces jusqu'au moment où il s'est écroulé, parce que le poids lui retombait dessus. Mais je crois que cette revue, c'est une des revues dans les années 78, la littérature est passée par cette revue, une certaine survie de la littérature. Et je crois, et ça c'est une idée qui nous est chère dans Style, c'est que Style, ce n'est pas n'importe quelle revue. Alors on ne dit pas qu'elle est obligatoirement meilleure que les autres, on ne dit pas qu'elle est la seule non plus, parce qu'il y a des tas de revues de littérature, et certaines revues sont vraiment des amis pour nous. Par exemple, Blocos, on s'échangera facilement des textes, on se téléphonera, etc. Et des auteurs, oui. Il n'y a aucun problème, mais même je reçois un texte, je dis il faut téléphoner à José Galdo, parce que ça devrait plutôt être dans sa revue que dans la mienne, etc. Je crois que ce que nous avons en plus des autres revues, c'est que nous disons plus fort que les autres, je crois, et on nous le reproche souvent, attention, la littérature se meurt. Et si on laisse faire, dans 5-10 ans, il n'y aura plus de littérature. Il y aura des gens qui écriront chacun dans leur coin, il y aura des textes qui s'enverront par la poste, il y aura des petits réseaux d'amitié comme il en existe maintenant, mais ça ne sera fini d'une littérature telle qu'elle existe depuis, disons, 2 siècles en France, quoi. Avec des éditeurs qui suivaient les écrivains, qui leur donnaient la chance et la possibilité d'écrire. Et ça, je trouve que c'est dramatique. Alors, on peut dire que les temps changent, que un écrivain du XXe siècle ou du XXIe siècle ne doit pas avoir les mêmes rapports économiques et de vie quotidienne qu'un écrivain du XIXe, mais je crois que c'est un peu une hypocrisie, parce qu'on... À moyen terme, et peut-être à court terme, on va à la mort de la littérature. Parce que quelqu'un qui est obligé de travailler pour écrire, ben, quelque part, c'est quelqu'un qui, un jour, ne pourra plus écrire. C'est vrai qu'on peut dire qu'il faut prendre des risques, il faut tout larguer, il faut être Rimbaud, il faut être Artaud, il faut aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'il faut être cela, mais il faut dire aussi que Rimbaud et Artaud, c'est un chemin de littérature. Il y a d'autres chemins, comme Mallarmé, par exemple, qui est quelqu'un qui avait besoin d'une certaine stabilité pour écrire. Et la stabilité de Mallarmé ne l'empêchait pas de côtoyer des gouffres aussi profonds que ceux d'Artaud. Et je crois que là, on est en train de couper dans le vif toute une littérature.